Bah là, restez en route. Coming on the street to the Billy Verdu. A Billy Verdu. Alors? A Billy Verdu. Ah si, c'est bon, il y a du son. Alors? Bon allez, ça marche. On se retrouve sur Hunt, salutations Pop du Web. On se retrouve sur Hunt, Shandown, you know. On va pas toucher à ce chasseur, car c'est un chasseur avec qui on avait joué avec les copains. Du coup, fusil de chasse classique. À mesure à Cameron modifie de puissance. Le Romero. C'est ça qu'il disait. Ark Ops. Je prends mes points pour ce personnage là. Chasseur. Pistolet McFreddy. On ne voulait pas l'abrir. On ne voulait pas l'abrir. C'est lui celle-là. Lancer de couteau. Je suis très nul en lancer de couteau. On va se prendre un chasseur légendaire. Trouve ça sera toi que je le jouerai. Hop. Allez, donne-moi des bons traits. Ça, c'est bien. Je prends le temps. Visite de mire. Après avoir tiré avec un fusil à levier. C'est quoi ça? Réduit la portée de. Ça, c'est bien, ceci. Ou un fusil à levier. Bon, c'est vrai que j'ai gagné le harpon la dernière fois. Des trucs comme ça. Fusil à verrou. Ah non. Fusil à verrou. Mais Starfou là avec des fusils à verrou. On peut en choisir ou pas? C'est non. Ok. Je peux pas choisir. Fusil à verrou. Du. La culasse. Il est beau celui-là. Spark. C'est que des. J'aime pas ça, c'est que des fusils. Avec des fusils, comment on appelle ça? Avec une balle. Je me fais un coup, je suis mort, moi. Le magasin interne. Je regarde, hein.
Fusée verrou, c'est ça? Le 13, je sais plus. Je sais plus. Au pire, on le met. Et si c'est pas ça, on regardera après. Du coup, en pistole, je voudrais essayer les pistoles là, là, ceux-là. Comment on les prend? Ça me paraît intéressant. Du coup, ça c'est trop bien, ça, je le prends tout le temps. J'aurais dû commencer par le pomme américain, mais c'est pas grave. Il est où? Toc, les classiques. Accordéon. Toc, ensuite, ouais, des munitions. Avec ça, t'as pas l'air fin. Une injection. Et. 100 dollars, ça. C'est-à-dire combien de temps? 10 minutes. C'est cool. Paquet de dynamite. Un gros paquet de dynamite. Dynamite, tu vois ça? La santé pour moi. Ouais, tu vas tout prendre et. Feu! Voilà. Du coup, attends, fusil à verrou. Plus d'ensemble. J'espère que c'est ça. Un levier, mais c'est quoi les fusils de levier? Attendez, je vais regarder. C'est pas ici, c'est ça. C'est lequel que je sais même plus. Ça doit être un truc comme ça. Attends, je vais regarder. La Barteri Carabalini, merci. La Barteri. La Barteri, la Barteri. Suisse adopté Vertelli, c'est où que c'est marqué que c'est verrou pour là-dessus les gens? Blablabla, ça dit pas ce que c'est, hein, en vrai. Je suis pas. Je connais pas les armes. Au pire, on dirait que ça sera bon. Du coup, on va suivre le conseil de Arkops. On va essayer de se lancer tout seul. Avec le Sheriff Hardin, alias Robbie Williams pour moi. Pardon. Enfin, bref. J'ai jamais regardé une quête. Je sais pas ce que c'est que ces quêtes. Contrat. Aléatoire, une partie de chasse compose des équipes plus nombreuses que vous, un binôme contre des trios. Ah oui, ah bah il arrive, je vais l'attendre. Attends, je vais sur Discord. Impeccable. J'arrive. Ah bah il est déjà sur Discord. Salut. Salut. Ça va? Ça va bien. T'es en train de former un perso? Mais je connais pas encore les armes en fait. Parce que ils demandent soit des armes à verrou. Les armes armes à verrou, t'en as quelques-unes. Une carabine à verrou là. Je sais pas ce que c'est que le fusil à levier. Levier, c'est tout ce qui est Winchester. Ah oui. Les Vertelli, c'est pas bon. De quoi? La Vertelli, c'est pas une. Bah déjà une Winchester, ça a forcément plusieurs balles. Et quand il recharge, tu sais, il a comment, un levier, c'est une action de la main qui appuie sur la détente, qui se lève pour recharger et qui. Ah oui. Et la levier, c'est celle qui prend une manivelle sur la droite du canon et qui fait un mouvement d'aller-retour pour recharger la balle. Ah oui, c'est ouais, comme les armes de. Ouais. Grossièrement. Grossièrement, ouais.
Ça marche avec toutes les Winfield? Non, les Winchester. Ouais, Winchester, oui, merde. Bah, il faut regarder qui a un levier et qui n'en a pas. De toute façon, c'est visible. En fait, c'est t'as le petit anneau en acier qui est autour de ta détente. Et juste derrière, t'as un autre anneau en acier un peu plus long sur lequel tu peux glisser tous tes doigts qui est derrière sur la crosse. Ah oui. Ça veut dire que c'est un levier. Ah, comme les Winfield, alors, je pense. Oui, il me semble. J'ai envie d'essayer des armes que j'ai jamais essayées. Bon, je laisse celui-là, c'est pas grave. Allez. Je vais recommencer un perso, du coup. Pourquoi j'ai... Les Winfield, ouais, c'est un levier. Les légendaires, du coup, ils donnent les traits. Pas très au hasard. Ouais. Avec son étoile du shérif qui rentre dans sa veste. C'est clair. Ah ouais, elle est buggée. Il était pas buggé comme ça. Ah, chat du shérif. Ah bah voilà. J'avais peur de lancer seul, ça tombe bien. Là, j'ai joué un peu tout seul là tout à l'heure. Ouais, j'ai vu Starcraft 2. Ah non, Starcraft 2, j'étais avec un pote. Ah. J'ai découvert le jeu. Ah, tu connaissais pas? Bah, je connaissais de nom, puis j'avais vu des pros y jouer, mais ça, j'avais jamais eu l'occasion d'y jouer. Puis là, vu qu'il est gratos. Ouais, bah oui. J'ai essayé. Le mode Cops, il est. Nous, on joue souvent en mode Cops. Contre les espèces de. En fait, on choisit un héros. Bah, t'as plus de pouvoir, mon héros. Et on se bat, ça dépend des cartes, en fait c'est des cartes aléatoires. Mmh. Et c'est assez sympa. C'est un peu une petite histoire, on va dire. Oui. C'est un tas de trucs à faire, enfin, ça dépend des cartes. Et t'as aussi le... Comment on appelle ça ? On en a un juste à côté de nous. Ah oui, j'ai pas encore chargé moi. Moi j'avais déjà... Là c'est un levier que tu as. Aïe! Mmh. Ah bah c'est pas bon alors. C'est pas un héros. Tant pis. Ça va faire pareil. Hein. On changera d'arme. Juste en face à droite. J'ai eu un vieux freeze là. Ouais, j'ai des vieux freeze. Ouais. Hmm?